Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission qui a été mise en place spécialement pour vous informer et pour parler de l'évolution professionnelle. Comme vous le savez, nous allons profiter de ce confinement pour vous donner quelques informations et pour que vous puissiez vous préparer à évoluer au sein de votre travail. Alors avec nous pour en parler sur ce nouveau plateau et dans cette nouvelle émission, Monsieur Laurent Jacobi-Coali, qui est directeur de CIBC, et Madame Kelly Guedes, qui s'occupe de la communication de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe. Et nous avons aussi, avec les nouvelles applications Zoom, donc nous sommes en vidéoconférence, Madame Lucette Telside, qui est psychologue et directrice de projet CEP. Alors nous allons déjà commencer par faire la présentation de Monsieur Laurent Jacobi-Coali. Bonsoir. Merci d'être venu sur notre plateau et présentez-vous. Bonsoir, Laurent Jacobi-Coali. Donc je suis directeur du CIBC Guadeloupe et nous travaillons en partenariat avec tous les partenaires que vous avez nommés sur un projet qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle. Donc bonjour, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Canal 10. Merci. Bonsoir, Madame Guedes. Bonsoir. Alors, je vous laisse vous présenter pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, mais qui entendent beaucoup parler de la Chambre des métiers. Merci. Alors, Kelly Guedes, donc, je suis responsable des affaires juridiques et territoriales à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Et sur ce dossier, mon conseil en évolution professionnelle, je suis chargée de communication. D'accord, très bien. Alors, nous allons vous parler d'un concept, un nouveau projet, et on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Vous allez nous expliquer, on va évoquer le thème. Pourquoi venir parler du CEP aujourd'hui et surtout, qu'est-ce que c'est afin que les gens comprennent bien? Il y a trois mots dans conseil en évolution professionnelle. Il y a conseil, il y a évolution et il y a professionnel. Donc nous sommes là avec tous les partenaires qui sont là, qui sont du domaine de l'orientation, de l'information et de la formation. Nous sommes là pour conseiller les salariés aujourd'hui dans le cadre de l'évolution de leur carrière. Et c'est pour ça qu'on entend aussi le mot professionnel. Et tout ça dans un cadre juridique qui a été préalablement fixé, préalablement par rapport à la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et nous y reviendrons de toute façon, mais c'est un concept qui est directement rattaché à la nouvelle réforme de la formation professionnelle qui a été votée en septembre 2018 et qui permet aujourd'hui de chacun de penser à son avenir professionnel. Le thème, c'est comment choisir son avenir professionnel. Alors justement, vous parliez de la période dans laquelle nous sommes actuellement. Donc c'est important en ce moment de penser à une reconversion peut-être ou bien à une évolution professionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la situation actuelle? Alors, je laisserai la parole à Kelly Guedes tout à l'heure, mais je vais en dire très peu, même si on pourrait y revenir aussi. On est dans une période qui est quand même assez secouée. Nous savons que qu'il va y avoir certainement des événements qui vont se faire qui ne seront pas très heureux. Et les moins malheureux ou les plus heureux, ça sera ceux qui ont réfléchi pendant cette période que nous avons là pour essayer de se dire mais qu'est-ce que je vais faire demain. Le concept, il n'était pas prévu pour cette période-là, parce que c'est un concept d'une loi française, mais il s'adapte tout à fait à la période dans laquelle nous sommes. D'accord. Alors, les différents partenaires, puisque c'est un projet que vous avez en commun, donc c'est le CIBC dont vous êtes le directeur, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, la CCI des îles de Guadeloupe, la Chambre agricole des agriculteurs de Guadeloupe, et il y a un autre partenaire aussi qui évalue les compétences, qui est l'Académie de Guadeloupe. Le GIPDEFI. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, le GIPDEFI, c'est un groupement d'intérêt public, c'est un dispositif académique d'insertion, de formation et d'ingénierie.
Donc en fait, lorsque France Compétences a lancé l'appel à projet au niveau national, nous nous sommes constitués en groupement momentané d'entreprise. Donc nous sommes 5 co-contractants. Nous sommes mis ensemble pour pouvoir répondre de façon unique à cet appel à projet qui est un appel à projet assez lourd. Donc je pense qu'en Guadeloupe, personne n'aurait pu y aller seul. Donc aujourd'hui, le CIBC qui est mandataire donc au groupement et la structure qui chapeaute, qui dirige, qui contrôle et qui nous donne un peu la marche à suivre et qui vérifie que nous mettons en place vraiment le cahier des charges de France Compétences. D'accord. Donc merci pour ce renseignement. Moi, je vous préviens déjà, commencez à vous mettre pas loin du téléphone parce que tout à l'heure, nous allons ouvrir l'antenne afin que vous puissiez nous appeler pour poser vos questions. Donc vous connaissez déjà le numéro, hein, 96 10 10 pour appeler à Canal 10 tout à l'heure, une fois, on va dire dans une quinzaine de minutes, le temps qu'on fasse un petit tour pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc on va revenir, on va inscrire le thème de l'actualité. On parle du contexte des doutes des salariés et du monde économique en général et de la nécessité pour chacun de faire le point sur sa carrière professionnelle et sur son avenir, comme on disait tout à l'heure, surtout en ce moment de confinement, puisqu'on ne sait pas, à partir du 12 mai, comment ça va se passer. Alors, quel est votre projet sur ce point ? Sur ce point-là, c'est de nous mettre, nous, notre projet, notre position, c'est qu'on doit pouvoir répondre aux questions des salariés. Nous avions commencé à le faire dès janvier, à bas bruit, sans parler très fort. Nous n'avions pas beaucoup communiqué, parce que c'est un projet qui est parti sur 4 ans. D'accord. Sauf que là, on se trouve dans une situation où nous nous rendons bien compte, parce qu'il y a quand même des remontées. À chaque fois qu'il y a des réunions au niveau des essences, on nous dit mais les salariés, ils ont aujourd'hui des questions. Et effectivement, nous savons que c'est véritablement le service dont on n'a plus que jamais besoin. Il est actuel. Ça ne sera pas quand on retournera au travail qu'on va réfléchir. Les personnes ont le temps. Donc il y a beaucoup de personnes qui doutent. Ils ont besoin d'un interlocuteur. Nos interlocuteurs sont des professionnels de la formation, de l'orientation, qui sont prêts à répondre. Et l'avantage, c'est de pouvoir répondre dans un cadre qui existe. Ça n'est pas, on ne s'est pas monté hier matin. Ça fait plus d'un an que nous travaillons sur ce point. Alors, comme je disais, nous sommes en vidéoconférence avec Madame Lucette Telside, qui est psychologue et qui est directrice de ce fameux projet. Alors, est-ce que vous nous entendez ? Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va mettre peut-être un petit peu plus de volume afin que nous puissions bien vous entendre. Alors, expliquez-nous, déjà donnez-nous, vous, votre avis sur le contexte de cette situation par rapport à la crise économique que nous traversons actuellement. Et expliquez-nous ce que vous faites, et surtout, très important, comme vous êtes psychologue, vraiment votre point de vue sur cette situation, s'il vous plaît. Alors, donc je suis psychologue du travail, plus spécifiquement, et donc dans cette période, je fais un petit peu comme tout le monde, je réfléchis à l'après, j'essaye de faire des choses que je ne faisais peut-être pas forcément avant, je m'occupe, je garde du lien avec le monde du travail, je garde du lien social parce que c'est très important, et voilà. Le CEP, concrètement, comment ça fonctionne pour que les gens comprennent bien ? Alors, le CEP, c'est le Conseil en évolution. Vous nous avez entendu ? Oui, alors vous m'avez demandé qu'est-ce que c'était que le CEP, c'est bien cela ? Oui, et quel en est le contenu surtout, s'il vous plaît ? Alors, le CEP, c'est le Conseil en évolution professionnelle. Et donc, c'est un service qui existe déjà depuis 2014 et qui a été rénové par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et donc, il est organisé et financé par France Compétences.
Donc c'est un temps pour soi, pour parler de ses envies, pour clarifier ses besoins. C'est un espace pour parler formation, compétences, certification professionnelle également. C'est l'occasion d'aborder des sujets de mobilité et de reconversion d'entreprise, de création d'entreprise éventuellement. C'est la possibilité d'obtenir des réponses à la diversité de ses besoins apportées par un professionnel qui est capable de mobiliser les services, les prestations et les acteurs qui sont utiles dans la région dans laquelle le bénéficiaire se trouve, et la possibilité donc de co-construire son projet avec un conseiller qui accompagne tout au long de la mise en œuvre. Et quel est le contexte légal? On parle de loi Avenir Professionnel, réforme de 2014. Comment ça s'est passé, toutes ces choses? Alors, le contexte légal, donc il y a le Conseil en évolution professionnelle qui a été créé donc en 2014 avec la loi relative à la formation professionnelle, dans l'objectif de favoriser l'évolution et la sécurisation des parcours professionnels des actifs. Et il a été rénové par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. D'accord. Et alors, une question pour vous, Madame Guedes. Qui est porteur de CEP en Guadeloupe? Quels sont les acteurs institutionnels, les groupements? Est-ce que vous pouvez nous présenter tout ça? Alors, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des acteurs institutionnels, nous sommes cinq. Donc le CIBC, la Chambre de métiers, la CCIG, donc la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, la Chambre d'agriculture et le GIP Défi. Donc ce groupement momentané s'occupe donc du CEP pour les salariés. Mais il faut savoir que nous ne sommes pas les seuls. Il y a aussi des opérateurs CEP sur le territoire, les plus connus, donc le Pôle emploi, la mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans, le Cap emploi pour les personnes en situation de handicap et la PEC qui est l'agence pour l'emploi des cadres. Donc toutes ces personnes sont en capacité de parler de CEP, mais dans leur secteur d'intervention, dans leur champ de compétences. Voilà. Et concernant les salariés, c'est notre groupement dont le CIBC est mandataire. D'accord. Alors justement, quels sont les bénéficiaires de ce fameux CEP? Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation des personnes qui peuvent en bénéficier et des personnes qui en sont exclues? Parce que visiblement, tout le monde ne peut pas en bénéficier, d'après ce que je vois. Présentation générale, tout le monde peut en profiter, pratiquement tous les statuts. On laissera le soin à l'UCTLC de faire une ou deux exclusions, mais on a différents publics. Les publics, on peut dire qu'il y a les jeunes, il y a les demandeurs d'emploi, il y a les cadres, les personnes en situation de handicap, qui tous, au regard de la loi, ont droit à un CEP. Donc il n'y a pas d'inégalité dans le cadre de l'accès au conseil. Ça, c'est légal et il fallait faire très attention à ça. Après, il faut aussi que pour chacun de ces publics-là, l'interlocuteur auquel il s'adresse connaisse quand même un peu ses spécificités. On pense à son avenir, mais n'importe qui, on n'arrive pas à maîtriser tous les secteurs. Mais si on est un professionnel aguerri, et plus on est aguerri, plus on est quelque part spécialisé. Donc nous avons la mission locale, qui, je répéterai un petit peu ce que disait Madame Guedes, mais il faut le répéter. Pour les jeunes jusqu'à 25 ans, c'est la mission locale qui vont s'adresser. Nous avons l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, qui s'occupe des cadres. Nous avons Cap emploi pour les personnes en situation de handicap et Pôle emploi. Toujours le même objectif, son avenir professionnel. Dans ce cadre-là, le groupement dont il s'agit aujourd'hui, on s'occupe des salariés et des indépendants. Il ne faut pas oublier, on a toujours dit les salariés, mais n'importe quel indépendant peut venir nous voir, il est complètement habilité. D'accord, intéressant. Ça, c'est extrêmement important de le dire, ça veut dire que l'indépendant aujourd'hui qui a envie d'évoluer, d'aller sur un autre projet, il peut être conseillé. D'accord. C'est pareil, il y a d'autres processus pour, par exemple, les personnes qui veulent aussi démissionner, il faut absolument démissionner pour créer un nouvel emploi, une nouvelle activité. Ah. Il faut absolument venir nous voir.
C'est un thème qui a été évoqué au niveau politique, qui a été mis en œuvre, mais attention, quand on quitte un emploi, il faut être sûr de où on va. Donc, dans le cadre du CEP, les personnes peuvent être bien conseillées pour que les choses se passent au mieux. Donc, il y a plusieurs opérateurs, dont nous, qui nous occupons de ce conseil en évolution professionnelle. Et d'ailleurs, pour dire comment au niveau local, nous avons souhaité être parler d'une même voix et pouvoir échanger, parce que vous pouvez avoir des fois quelqu'un qui, personne qui travaille à temps partiel et qui est aussi inscrite à Pôle emploi. Elle doit se dire, bon, je vais où ? J'ai envie de faire autre chose pour aller me mettre à mon compte, par exemple. Mais comme je suis à temps partiel, donc je suis salarié, et dans le même temps, je suis aussi inscrit à Pôle emploi, comment je dois faire ? Cette personne-là viendra, on sait en évolution professionnelle, et on lui indiquera, donnera toutes les informations nécessaires dans un cadre complètement confidentiel sur ce qu'il veut faire. Et pour terminer sur cette manière de travailler ensemble, je préciserai qu'on a quand même eu un séminaire d'une journée qui s'est déroulé à la Chambre d'agriculture il y a environ un mois et demi, où tous les opérateurs se sont mis ensemble autour d'une grande table où on a échangé sur nos pratiques. Et c'était quelque chose d'extrêmement important. On est quand même un petit peu heureux, fiers de dire que au-delà de l'Atlantique, nos partenaires, on n'a pas entendu parler d'un tel projet où véritablement en Guadeloupe, on s'est mis ensemble pour que ce sujet-là soit traité et que chaque partenaire sache comment un autre partenaire pour un autre public fonctionne et travaille. D'accord, bon, ben merci de ces informations. Madame Tessid, est-ce que vous voulez rajouter des éléments sur les bénéficiaires ou les personnes qui seraient exclues ou pas ? Alors, on ne peut pas réellement parler d'exclusion, mais c'est vrai qu'on n'a pas prononcé encore pour l'instant le mot de fonctionnaire, et pour lesquels le conseil en évolution existe sous une forme différente, puisqu'ils doivent s'adresser à leur entreprise directement. C'est leur hiérarchie, leur service ressources humaines par exemple, qui peut les accompagner dans leur évolution professionnelle. D'accord, donc merci pour cette réponse. Alors, comment faut faire pour demander un entretien ? Est-ce que vous pouvez déjà indiquer aux téléspectateurs qui voudraient se renseigner comment faut faire pour vous joindre ? Oui, alors nous avons plusieurs portes d'entrée, hein, puisque nous avons un numéro de téléphone unique, le 05 90 05 06 07. Il est relativement simple à retenir. Donc, vous avez donc ce numéro unique. Vous avez le site internet, mon CEP. Alors, que je dise pas de bêtises, oui, c'est mon-cep.org/Guadeloupe. Où vous pouvez faire une première intervention, une première demande, et quelqu'un entrera en contact avec vous. Il faut savoir que quand vous appelez au 05 90 05 06 07, vous avez donc une première prise en charge qui est l'aiguillage. Donc ensuite, Madame Telsi développera un peu les différentes étapes, mais à partir de ce moment-là, et en fonction de ce que vous souhaitez, vous aurez quelqu'un qui s'occupera de vous du début à la fin. Voilà. D'accord, bon, ben merci pour cette information. Donc vous notez ça quelque part, 05 06 07, c'est un fixe, donc c'est un numéro qui est très facile à retenir, 1567, et on met 0 à chaque fois. Nous allons ouvrir la ligne, donc vous pouvez lancer vos appels, hein, 05 90 pour, alors là le numéro qui s'affiche c'est le 05 06 07, on va vous le laisser en affiche tout à l'heure, mais là pour l'instant nous ouvrons la ligne et vous pouvez appeler au 96 10 10, vous connaissez déjà le numéro de Canal 10, pour poser vos questions, surtout profiter, ben voilà, je parle encore du confinement justement, profiter de cette période de confinement pour voir ou pour prévoir ce que vous allez faire, surtout si vous savez que vous êtes dans une entreprise qui est déjà un petit peu en difficulté, puisque nous savons que ça va être très difficile. Nous avons en plus encore un mois de confinement qui s'annonce, hein, donc là il va falloir tenir. Donc profitez-en pour vous renseigner et pour commencer à voir ce que vous pouvez mettre en place, si vous-même vous pouvez ouvrir une autre entreprise ou bien si vous pouvez vous requalifier différemment ou faire peut-être... Alors est-ce qu'il y a de la validation des acquis dans ça ou pas ? Alors attendez, il y a un appel ou pas ? D'accord. Alors, est-ce qu'il y a de la validation des acquis ou pas dans ce que dans la dans les dans les
dans ce que vous proposez? Ça, c'est une orientation qui peut être donnée à la personne. D'accord. À l'accompagnement, à la validation des acquis, mais en fin de conseil en évolution professionnelle, la personne peut décider de faire une validation des acquis de l'expérience, peut faire une formation, etc. Et peut s'engager dans d'autres projets pour une autre profession carrément. D'accord, donc c'est assez intéressant. Ça veut dire que vous conseillez les gens pour qu'ils puissent soit valider leurs acquis, soit changer de branche, soit ouvrir une entreprise, enfin, voir comment ils peuvent se requalifier. Voilà. En fait, on essaie de redonner sa place à l'aspect réflexion, choix. Mm-hmm. Vous n'êtes pas forcé de faire quoi que ce soit. Vous avez envie de le faire. C'est vraiment un temps pour se poser, pour se demander est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? S'il y a juste un sentiment de vouloir changer, ben est-ce que véritablement c'est, entre guillemets, c'est sérieux de vouloir changer aujourd'hui? Et si c'est sérieux de vouloir changer, ben quels sont les outils qui sont à ma disposition pour le faire et comment je peux les utiliser? C'est toute une démarche qui doit être mise en œuvre dans ce temps-là. D'accord, bon ben merci. Donc 96 10 10, vous pouvez appeler pour poser vos questions. Comment ça se passe les rendez-vous en ce moment? C'est que des rendez-vous téléphoniques? Vous faites de la vidéoconférence ou ça se passe comment? Alors pour le moment, ça se passe assez bien de manière téléphonique parce qu'on n'a pas le droit de sortir. mais si quelque part on se rend compte aussi que c'est une facilité parce que nous faisions pratiquement que du présentiel. C'est complètement légal de faire du téléphonique ou de la visio, c'est complètement légal. Mais nous faisions beaucoup de présentiel. Or, depuis le début du confinement, bien évidemment, il y avait des conseils en évolution professionnelle qui étaient en cours. Donc, nous avons dû tout de suite changer, passer à d'autres modes de travail et de communication. Et véritablement, ça se passe bien. Ça se passe bien d'autant plus que ça donne vraiment un temps. Les personnes ont plus l'impression, en finissant leur entretien téléphonique, mm-hmm. Ils peuvent aller directement sur leur ordinateur et aller s'informer pour prendre plus de détails. Quand vous venez en présentiel, après il faut prendre la voiture, rentrer à la maison, etc. C'est très concret ce que je dis, mais finalement on se rend compte qu'on peut passer plus de temps de cette manière-là pour travailler. Bien évidemment, le présentiel, il existe. Hein. Quand nous recommencerons, qu'on sera déconfiné, il y aura du présentiel. Mais on peut faire un très bon conseil en évolution professionnelle en ce moment par téléphone. D'accord. Alors, Madame Telsit, je vois qu'il y a deux niveaux de conseils dans vos documents, dans votre documentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce premier niveau et que ce deuxième niveau? Allô? Madame Telsit, est-ce que vous nous entendez toujours? Alors oui, je vous entends. Oui, vous avez entendu la question, c'est bon? Oui, j'ai bien entendu la question. Merci. Alors, il y a donc deux niveaux de conseil, effectivement, donc, qui sont définis par décret. Donc, c'est les deux niveaux de conseil qu'on va retrouver dans tout conseil en évolution professionnelle pour tout opérateur. Donc, le premier niveau de conseil, c'est un accueil individualisé et adapté aux besoins de la personne. Donc, c'est l'occasion pour le salarié ou l'indépendant d'exprimer sa demande et son besoin, d'accéder à un premier niveau d'information, que ce soit sur les métiers, sur l'offre de formation, sur son environnement professionnel, sur les dispositifs de financement, et d'identifier les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner. Donc, le conseil peut s'arrêter des fois à ce premier niveau. En fonction des situations et des besoins du bénéficiaire, il y a également un second niveau qui est là l'accompagnement personnalisé et qui va permettre d'accéder à toute information utile, à l'élaboration et à l'analyse de la faisabilité du projet professionnel, et c'est la possibilité d'être accompagné dans la construction de son plan d'action. Et ce niveau de conseil-là, donc dans le conseil en évolution professionnelle de manière générale, on peut avoir besoin de services complémentaires. Donc on a entendu parler tout à l'heure de validation des acquis, ça peut également être une période de mise en situation en milieu professionnel, un bilan de compétences ou d'autres actions encore. D'accord. Donc ça, c'est un service qui est gratuit et qui est ouvert à tous les salariés, comme on disait tout à l'heure. Et les gens peuvent vraiment aller pour se renseigner. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres informations, d'autres choses?
Ça dure combien de temps en or, par exemple? Allez-y. Le premier niveau, par exemple, c'est 2 heures, je voulais dire. Donc, d'accord. Il faudra certainement nous préciser, mais vous avez 2 heures d'entretien où on vous oriente, on vous aide. Donne toutes les informations. Et après, donc, il y a un premier niveau de conclusion aussi, évidemment. D'accord. Et ça peut aller visiblement jusqu'à 18 mois pour le deuxième niveau. Sur la durée totale de l'accompagnement, tout à fait. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous voulez rajouter peut-être quelque chose dans ce que vous faites et de la manière dont c'est mis en place? Alors, ce qui est important de préciser, c'est surtout que les salariés, enfin, les actifs occupés, comme on dit, ils sachent que c'est un dispositif qui est national, qui est mis à leur disposition. Mm-hmm. C'est un service qui est entièrement gratuit. Ils n'auront absolument rien à payer. Oui, c'est un service qui leur permet justement de faire le point sur ce qu'ils ont envie de faire, de là où ils en sont aujourd'hui dans leur vie professionnelle. Donc c'est vraiment pour eux, c'est à leur disposition, c'est financé par France Compétences. Donc qu'ils n'hésitent pas, qu'ils prennent contact avec nous au numéro qu'on a indiqué, hein, 05 90 05 06 07. Important à dire, ils n'ont pas besoin de l'accord de leur employeur pour entamer un conseil en évolution professionnelle. D'accord. Et surtout, tout ce qui se dit dans ce cadre-là reste confidentiel. Nous assurons une parfaite confidentialité de tout ce qui se dit. D'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose... il ne faut pas passer à côté d'un tel dispositif. Surtout pour les gens, par exemple, qui sont futurs porteurs de projets. Ça peut être intéressant. Absolument. De venir consulter, de voir comment on peut mettre son projet en place et quels conseils on peut avoir au niveau professionnel. Ça fait combien de temps que vous, comme vous tout à l'heure vous parliez, que ça fait 4 ans que vous avez déjà commencé à travailler un petit peu sur ce projet, c'est bien ça? Nous travaillons pour 4 ans. D'accord. On a commencé depuis le 1er janvier. D'accord. Et c'est un dispositif qui s'étale dans un premier temps déjà sur 4 ans. D'accord, et ça va se passer comment? Parce qu'en ce moment, c'est vrai que c'est compliqué. Les gens, pour l'instant, ils sont plutôt angoissés par rapport à leur situation professionnelle actuelle. Donc, est-ce que la directive qui était prévue au départ, par exemple, tout à l'heure, on parlait de 2018, ensuite ça a changé. Est-ce que ça a été modifié par rapport à la situation actuelle ou pas? Non, par rapport à la situation actuelle, non. On peut même dire que, quelque part, c'est un dispositif qui s'adapte à cette situation. Oui, parce que c'est très important de réfléchir déjà. La nouvelle réforme, elle modifiait tout. C'est, mm-hmm. Vous choisissez aujourd'hui. Il y a un an, c'était vous avez besoin d'une formation, vous êtes employé. Il faut dire une chose, c'est que les indépendants n'avaient droit à rien. Oui. Ça, c'est une première chose. Pour les salariés, vous aviez besoin d'une formation, vous passez par un OPCA. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous disposez vous-même de votre CPF, mm-hmm. votre compte professionnel de formation, une certaine somme. Vous choisissez tout. C'est vous qui le faites. Ceci étant, il faut le faire bien aussi. Il ne faut pas qu'on se trompe. Et donc, le dispositif, il est parti aujourd'hui pour 4 ans au minimum, où les personnes pourront choisir leur avenir. L'objectif, c'est ça, c'est de dire aux gens, désormais, on ne choisit plus pour vous. Oui. On ne choisit plus pour vous. Le financement de votre formation, c'est vous. Le choix aussi, la réflexion avant, vous en serez responsable, bien évidemment, mais on ne choisit pas pour vous et on ne peut pas vous bloquer. Ça permet l'arrêt, surtout avant les gens partaient pour 25 ans de carrière. Là, ça permet de se recycler, de changer, de prendre d'autres orientations. Vous vouliez dire quelque chose par rapport absolument, à ça? Je vous ai absolument. Pas trop aujourd'hui, on se rend compte que nous avons des gens qui sont dans un emploi depuis 10, 15 ans, qui ne se plaisent plus du tout dans ce qu'ils font, qui sont là, qui n'aiment pas du tout se lever chaque matin pour aller au travail. Eh bien, ils ont la possibilité aujourd'hui de se poser les bonnes questions. Et de se dire qu'on peut recommencer. Et on a, avec ce dispositif, les outils permettant justement d'analyser leurs besoins. Mm-hmm. Et en fonction de l'analyse de ces besoins, en fonction du projet qu'ils ont, ils verront au bout du terme si oui ou non ils ont cette volonté d'aller plus loin et de se réorienter, de faire autre chose. Et puis d'être bien pour eux-mêmes, quoi, tout oui. simplement. C'est la question, justement. Alors, Madame Talsit, c'est la question que j'allais vous poser, vous qui êtes psychologue dans le travail. Est-ce que vous pensez que ça peut être vraiment un outil important pour que les gens puissent rebondir après cette fameuse crise?
Oui, tout à fait, absolument. C'est vrai qu'il est important dans cette période qui est bouleversante hein, pour les habitudes que l'on a, on n'a jamais vécu cette situation, de pouvoir réfléchir. C'est une période qui incite à l'introspection. Et dans cette interrogation qu'on peut avoir sur soi, sur son avenir professionnel, pourquoi pas ne pas faire un conseil en évolution professionnelle pour être accompagné dans cette réflexion et pouvoir faire émerger quelque chose de positif de cette période de confinement. Donc, est-ce que vous avez, comme je demandais tout à l'heure aux invités en plateau, je leur ai demandé leur avis sur la situation, est-ce que vous constatez soit un déclin du moral des gens ou soit une envie d'évoluer concrètement? Alors, c'est vrai que certaines personnes se mettent un petit peu sur pause parce qu'il y a des incertitudes, notamment pour les personnes qui sont actuellement indépendantes. Au niveau des salariés, les personnes restent sur leur lancée et essayent de faire avancer leur projet et sont assez stimulées justement par le fait d'avoir du temps, puisque on n'a pas beaucoup de possibilités autres de faire avancer leur projet. Oui, effectivement, c'est vrai qu'en ce moment, ça peut être une manière, hein, comme on disait, de rebondir sur ça pour éviter surtout le chômage, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner après, si les gens veulent se changer, se ressourcer. Alors, tout à l'heure, vous disiez que c'est quelque chose qui existe au niveau national. Oui. Est-ce que, pour, par exemple, au niveau national, ce sont les mêmes partenaires aussi qui contribuent, ou est-ce que pour la Guadeloupe, c'est vous qui avez choisi? Comment ça s'est passé, cet assemblage de partenaires sur ce projet? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un marché national, un appel à projet que France Compétences a lancé sur tout le territoire. Mmh. Et région par région, des opérateurs ont répondu donc à cet appel à projet. Nous, en Guadeloupe, nous avons été contactés par le CIBC qui tout de suite avait reçu cet appel à projet et en fonction donc du cahier des charges, s'est bien rendu compte qu'il fallait absolument qu'on puisse se regrouper mm-hmm. pour pouvoir répondre à cet appel à projet ensemble, puisque c'est un dispositif qui est excessivement lourd et qu'une seule institution n'aurait peut-être pas pu mener seule. Mmh. Donc, une fois qu'ils ont contacté les différentes chambres consulaires et le GIPDEFI, nos différents présidents ont trouvé que c'était justement très intéressant de pouvoir se regrouper, puisque dans nos différentes institutions, c'est ce qu'on dit très souvent aux mandants, hein, surtout chez nous au niveau des artisans, dans le cadre des marchés, on n'arrête pas de leur dire regroupez-vous pour avoir plus de chance. Mm-hmm. Donc nous avons donné l'exemple. Et nous sommes regroupés mm-hmm. pour justement obtenir cet appel à projet. Et nous avons donc été désignés opérateurs pour la mise en place du conseil en évolution professionnelle en Guadeloupe. D'accord, ça déjà félicitations parce que c'est très bien, donc c'est une bonne chose. Mais concrètement, comment ça se passe? Si par exemple moi je viens m'inscrire, j'ai ma formation, après qu'est-ce que je fais? Je démissionne, je pars, je quitte mon travail, j'ouvre ma société tout de suite. Comment ça fonctionne dans le concret? Dans le concret, pour ce qui nous concerne, c'est que vous nous appelez au numéro en question. Oui. Et là, on rentre dans une évolution personnelle. Vous êtes accompagné par un conseiller chez nous. Et à la fin, vous avez un document qui vous dit, bon voilà, j'ai choisi ça et ça vous appartient. Une précision, les chambres consulaires sont partenaires sur le coup. Mmh. Mais sont partenaires parce que ce sont des structures qui sont solides pour porter le projet. D'accord. Mais en aucun cas, ils n'entrent en compte dans ce qui se passe entre le conseiller et les salariés. D'accord. En aucun cas. Donc, ce sont comme vous disiez tout à l'heure, où les professionnels étaient. Bon, c'est là qu'il y avait des professionnels pour le faire. Là, c'est important de le dire pour qu'on sache bien que, quel que soit, une fois qu'on appelle, il y a une grande. Madame Guédela dit tout à l'heure. Il y a une grande confidentialité dans ce qui se passe pour cette personne-là. Personne d'autre qu'elle et le conseiller ne sait que oui. Voilà, elle a suivi son conseil d'évolution professionnelle. Donc la porte d'entrée, c'est le téléphone ou le mail. On vous appelle et puis vous programmez vos entretiens jusqu'à obtenir
le projet que vous voulez. Mm-hmm. Vous commencez la définition véritablement de votre projet avec le conseiller. Et quelque part, c'est, entre guillemets, c'est une boîte noire à l'intérieur. Les échanges, Mme Telsi, vous direz de manière plus précise comment ça se fait. Mais pour toute autre personne, c'est une boîte noire parce que, au bout du compte, on ne sait pas au départ qu'est-ce qu'on va avoir. On sait ce qu'on veut aussi. Mm-hmm. Et ça permet de préciser ce qu'on veut. Ça, c'est extrêmement important d'être accompagné. Ça permet de lever des incertitudes. Ça permet d'avoir d'autres idées complémentaires. Et ça permet surtout de voir quels moyens on peut avoir pour arriver à quelque chose qu'on aimera et qu'on voudra. Voilà. Donc, c'est surtout ce qui est important, qu'on sort réellement quelque chose de positif. Ce quelque chose de positif, ça peut être aussi, mais finalement, je reste où je suis, je me sens bien. D'accord, oui. Mais ça, au moins, on l'aura développé et mm-hmm. on aura réfléchi à ça pendant au moins 8 heures d'entretien avec un conseiller, plus le temps qu'on aura passé à fouiner, à chercher, à se documenter. Et puis on se dit, mais finalement, où je suis là, je suis fait pour ça, que je me batte un petit peu plus pour être peut-être plus à l'aise, mais je n'ai pas envie de faire autre chose. Ça peut être aussi une sortie. D'accord. Alors, comment ça se passe en ce moment pour votre structure hein, au CIBC, puisque en ce moment, c'est, comme on disait tout à l'heure, on sait que tout est fermé. Mais plus généralement, pour parler de la situation, comment vous travaillez? Parce qu'avec la Chambre des métiers, je sais comment ça se passe, parce qu'ils ont mis plein de petites choses en place. Mais au-delà de ce projet de compétences et d'évolution professionnelle, comment ça se passe en ce moment dans vos locaux? Comment vous arrivez à travailler avec vos équipes, vos différentes équipes, justement, sur ce projet? Ben, si on parle de nous, ben, nous aujourd'hui on découvre les réunions en visio. Oui, j'imagine. On découvre les entretiens téléphoniques. On travaille énormément par tout ce qui est échange de mails, échange d'écrits. Donc, comme personnellement, j'aime bien dire, malheureusement, on est submergé de mails, mais on est obligé de s'adapter. Et on se rend compte que finalement, une adaptation vers laquelle on nous poussait, sans nous le dire, on y a été obligé. Et finalement, c'est pas si mal que ça. Il y a moins de contacts humains, dirons-nous. Oui, c'est vrai. Bien évidemment. Mais on peut faire des choses. Et on se rend compte que la chose, ça ira dans ce sens-là d'une manière ou d'une autre. Évidemment, ça ne sera pas toujours aussi strict, mais on ira dans ce sens-là où les nouveaux outils seront largement utilisés. Donc ça vous fera une évolution justement professionnelle, alors, au final. Absolument. Bon, ben, très bien. En tout cas, alors on va rappeler les numéros, les adresses, les sites internet, afin que les gens puissent demander un entretien. Allez-y. Alors, le numéro de téléphone unique, 05 90 05 06 07. Le site internet, donc mon-cep.org/Guadeloupe. Donc, d'accord. C'est aussi une porte d'entrée pour pouvoir activer le conseil en évolution professionnelle. D'accord. Est-ce que, par exemple, si les gens n'ont pas retenu l'adresse là, ils peuvent aller sur soit le site ou bien le Facebook de la CCI, oui, alors, je ne sais pas si les institutions ont déjà activé cet onglet, mais le CIBC donc, a activé le Facebook. Sur le site. Le site du CEP, comme je l'ai dit, hein, donc mon-cep.org/Guadeloupe et le Facebook CEP Guadeloupe. Vous avez donc les informations sur ces différents supports. D'accord, ben justement, allez-y. Et vous donc, vous remplissez où c'est l'appel téléphonique, vous avez un conseiller qui vous garde 6, 7, 8 minutes, qui prend toutes les informations mm-hmm. pour vous accueillir, ou alors c'est le site internet où vous remplissez une fiche et là on vous appellera. D'accord. On vous demande un certain nombre d'informations, bien évidemment, parce qu'on aura un service, mais on demande à qui on s'adresse, parce que ça peut être le demandeur d'emploi, on ne va pas lui donner rendez-vous tout de suite, oui. Alors que ce n'est pas nous qui le recevons. Donc il y a un certain nombre d'informations qui sont récupérées au début et qui nous permettent d'orienter la personne ou chez nous, parce qu'elle est salariée, parce qu'elle est indépendante, ou alors vers l'opérateur auquel on doit l'adresser. Voilà. Donc,
Ou c'est le téléphone, ça peut se passer tout de suite, mm-hmm. ou alors c'est la fiche qui est remplie sur les sites internet de mon CEP, et cette fiche-là, on la récupère et on rappelle la personne avec le numéro de téléphone qu'elle a laissé. D'accord, donc 05 06 07, très important, vous notez ce numéro et vous le gardez en tête. Je sais qu'en ce moment, tout le monde pense un petit peu à son salaire à la fin du mois, parce que la situation n'est pas évidente, mais il va falloir qu'on y vienne, puisqu'on ne pourra pas revenir... comme je veux dire, hein, revenir à avant la période Covid-19. Madame Talcide, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot pour la fin? Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot? Alors, mon mot de la fin, c'est de profiter du confinement pour réfléchir et faire un conseil en évolution professionnelle, parce que ce sera toujours quelque chose de bénéfique. Réfléchissons à ce qu'on va faire et comment se recycler demain. Voilà. Bon, bah, très bien. En tout cas, merci de votre participation à notre émission et peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir dans un prochain, peut-être, numéro. Alors, Madame Guedde, est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Oui, surtout leur dire, n'hésitez pas. Vous avez un dispositif qui est totalement gratuit, qui est mis à votre disposition. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc, vous avez du temps en ce moment, donc profitez-en. Profitez-en pour vous, parce que là, vraiment, c'est quelque chose qui vous est destiné, qui est vraiment pour vous et qui vous permettra de rebondir et de voir comment, après ce confinement, vous repartez professionnellement. D'accord. Monsieur Jacobi Kouali, est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ? Un petit mot pour la fin. J'aurais bien aimé qu'à partir du 11 mai, on redémarre gentiment. Hein, mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de propos qui sont tenus sur cette affaire de redémarrage. Mais plus sérieusement, on a rarement eu le temps de s'arrêter oui. de carrière. On a rarement eu. On s'est arrêté des fois parce qu'on ne travaillait pas et on ne l'a pas choisi. On s'est arrêté des fois parce qu'on était tellement bousculé qu'on en devient quelquefois même débordé. Là, c'est un temps qui nous est donné. Et je crois qu'il faut savoir profiter des dispositifs qui existent. Bon, ça, c'en est un qui est légal. Et ça nous permettra aussi de prendre le temps. Vraiment un temps obligé, mais un temps où on pense à après, parce qu'on n'a pas fini de vivre. Et donc, il s'agit de vraiment pouvoir préparer l'après, cet après dont on parle tous les jours. Là. D'accord, bon, ben, je vous remercie en tout cas d'être venu nous expliquer tout ça en plateau. Donc, n'oubliez pas mon conseil en évolution professionnelle, donc CEP, et vous pourrez revoir tout ça, bien évidemment, sur les réseaux sociaux du groupe Canal 10. Merci, bonne soirée à vous, au revoir à tous. Thank you.